Mes chers camarades, bien le bonjour. C'est quand même pratique de vivre au 21e siècle, non? Quand on veut envahir un territoire, on sait d'avance ce qu'on peut y gagner ou pas. On sait qu'on va choper du pétrole ou une autre matière première fort utile pour faire rouler sa bagnole ou fabriquer des t-shirts. Comment ça, vous voulez pas faire la guerre? Bah, moi non plus, hein, je dis ça comme ça. Je pensais juste à Guillaume le Conquérant. Vous savez, ce gars qui a repris l'Angleterre en 1066 suite à la bataille d'Hastings. Eh ouais, pourquoi je pensais à lui? Bah figurez-vous que quand il a pris l'Angleterre, il était content mais bien emmerdé, hein. Parce qu'il savait pas du tout ce qu'il venait de gagner, il n'y avait aucun inventaire national pour savoir quelle richesse il récupérait en emportant le trône d'Angleterre. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Guillaume? Eh bien il a trouvé la solution, le Doomsday Book, ou en français, le livre du jugement dernier. Avant de revenir sur ce fameux Doomsday Book, on va se rafraîchir la mémoire concernant Guillaume le Conquérant, car son histoire c'est avant tout celle d'un bâtard. C'est pas moi qui le dis, hein, c'était d'ailleurs son surnom. Mais pour bien comprendre toute cette affaire, il faut remonter un peu plus loin. Après la mort de Charlemagne en 814, c'est son fils Louis le Pieux qui hérite de l'empire carolingien. Lorsque lui-même décède en 840, ses trois fils se disputent le territoire et l'empire finit par être divisé en trois royaumes en août 843. Tout d'abord la Francie occidentale, puis la Francie médiane et enfin la Francie orientale. Ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est la Francie occidentale. Au début du Xe siècle, le fameux guerrier scandinave Rollon, que vous connaissez sûrement via la série Viking, ne cesse de lancer des raids en Normandie, parcourant la Seine et allant taper sur tout ce qui bouge. Paris, Bayeux, Rouen, Chartres, etc. Le roi des Francs et de la Francie occidentale, Charles le Simple, n'en peut plus de voir son royaume ainsi attaqué. Il propose alors à Rollon un deal. Rollon reçoit le côté de Rouen, qui équivaut en gros à la Haute-Normandie actuelle, et en échange, il doit empêcher ses camarades vikings de continuer à venir mettre le souk sur le territoire en verrouillant l'accès à la Seine. Rollon accepte volontiers, même si pour ça il doit devenir chrétien et se faire baptiser en adoptant un nouveau nom. Robert. Ouais, un petit peu moins stylé que Rollon, hein. Bref, en 911, le traité de Saint-Clair sur Epte officialise la chose et Rollon devient Jarl de Normandie. Officiellement, il n'a pas le titre de duc de Normandie, mais on le considère souvent comme le premier. En prenant possession de la Normandie, il impose sur son territoire son mode de vie et ses traditions. En conséquence, il ne renonce pas à la polygamie. S'il aurait pu avoir une épouse officielle, il a donc plusieurs frias des épouses non officielles mariées à la danoise, comme on dit, c'est-à-dire sans cérémonie religieuse officielle. Alors, pour les Normands, les enfants issus d'une relation entre leur chef et une fria sont légitimes, hein, ça pose pas de problème, mais pour le reste de la Francie, eh bien ça n'est pas vraiment le cas, et seule la progéniture d'une épouse officielle peut être considérée comme légitime. 5 générations plus tard, Robert le Magnifique, descendant de Rollon et duc de Normandie dont la réputation est assez obscure, donne naissance à Guillaume en 1027. Il n'a pas d'épouse officielle, mais pratique la polygamie comme ses ancêtres. La mère de Guillaume est donc l'une de ses deux frias, Arlette de Falaise, une jeune femme de condition modeste. Quand Robert le Magnifique meurt en pèlerinage en Terre Sainte en 1035, Guillaume hérite donc de son titre et devient duc de Normandie. Seulement voilà, le duc étant très jeune, 8 ans à peine, une fenêtre de tir s'ouvre pour tous ceux qui souhaitent renverser le pouvoir en prenant sa place. Plusieurs barons normands vont alors remettre en cause la légitimité de Guillaume en l'accusant d'être un bâtard issu d'une union illégitime d'une part, et déshonorante d'autre part car sa mère n'est pas noble. Une situation qui vaudra à Guillaume une enfance de merde, il faut bien le dire. Vous pouvez d'ailleurs voir pour l'occasion, si ça vous dit, le film Guillaume la jeunesse d'un conquérant, hein, réalisé par Fabien Drujon, dont je viens de vous passer les images. Il a été réalisé avec très peu de moyens, mais franchement ça claque. En gros, ça raconte justement cette période où Guillaume se fait pourchasser et tente, tant bien que mal, de garder son titre et ses terres. Et pour vous donner une idée du beans, sachez qu'à cette époque, la région est frappée par des années de famine, que Guillaume est obligé de se réfugier chez l'habitant à droite à gauche pour esquiver ses ennemis, qu'il enchaînera les tuteurs qui se feront assassiner au fur et à mesure, on parle quand même de 5 protecteurs, hein, et qu'il échappe finalement de peu à une tentative d'assassinat. Il faut attendre 1047 et le soutien du roi des Francs Henri Ier pour que Guillaume écrase les rebelles durant la bataille de Valles-Dunes près de Caen. Suite à cette victoire, les problèmes ne s'évanouissent pas pour autant, et Guillaume, toujours soutenu par Henri Ier, va continuer à guerroyer pour consolider les frontières et vaincre ses ennemis. En 1050, il épouse Mathilde de Flandre, ce qui lui permet de consolider ses relations avec un des territoires les plus puissants de l'époque. L'assurance du jeune duc se fait de plus en plus forte, et bientôt, le roi des Francs lui-même commence à avoir la pétoche. En 1052, Henri Ier retourne sa veste et forme une coalition qui envahit en 1054 la Normandie pour empêcher Guillaume de continuer à s'agrandir. Manque de bol pour lui, Guillaume est rusé, il défonce l'armée en attaquant les Français de nuit et les oblige à fuir.
Une nouvelle tentative de Henri Ier en 1057 se soldera également par un échec majeur pour le roi et laissera à Guillaume les mains libres pour continuer l'expansion et la consolidation de son territoire. Autant vous dire qu'à ce moment-là, Guillaume en impose grave et personne n'ose lui chercher des noises. Et pourtant, il ne compte pas s'arrêter là. Depuis des années maintenant, il noue des contacts étroits avec le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur. En effet, celui qui est le roi d'Angleterre avait dû fuir dans sa jeunesse les forces danoises de Knut le Grand qui avait envahi puis pris le trône d'Angleterre en 1016. Après avoir passé près de 20 ans réfugié en Normandie, Édouard le Confesseur avait alors toute confiance envers les Normands. Il aurait alors non seulement promis son trône à son parent, Guillaume, mais également pris des conseillers normands pour l'épauler dans sa gestion du royaume. Une affaire qui roulerait presque pour Guillaume hein, si Édouard n'avait pas épousé Edith de Wessex. Je sais, ma prononciation est un peu hasardeuse. Edith de Wessex, c'est la fille du plus puissant comte du pays, Godwin de Wessex, eh oui. Et pendant des années, la famille de Godwin va tenter de pousser vers la sortie les Normands qui occupent des places à haute fonction. Et ils vont y arriver, hein, si bien qu'alors que le roi Édouard vieillit et s'affaiblit de jour en jour, Harold de Godwinson, c'est-à-dire le fils de Godwin, hein, si vous préférez, se met les nobles dans la poche et assure ses arrières pour prendre le pouvoir quand le temps sera venu. A cela s'ajoute un autre petit souci pour Guillaume, mais pas des moindres. Un certain Harald, le roi de Norvège, tient lui aussi à récupérer le trône du roi Édouard. Ça commence à faire beaucoup de monde pour un pauvre type qui n'est même pas encore mort. Hein. Alors quoi qu'il en soit, Harald, il ne faut pas le prendre à la légère. Hein. Le type n'était rien de moins qu'un ancien chef de la garde de Varegg de Constantinople. Vous savez, ces vikings qui maniaient des haches à deux mains là. Bref, lui il fait valoir un ancien traité signé entre le dernier roi de Norvège et un ancien roi d'Angleterre pour revendiquer les terres anglaises. D'ailleurs, il n'attend pas qu'Édouard ait passé l'arme à gauche pour commencer à préparer son invasion de l'Angleterre dès 1064. Le 5 janvier 1066, voilà chose faite. Édouard rend son dernier souffle dans la célèbre abbaye de Westminster, une abbaye qu'il avait fondée. Harold est immédiatement couronné roi d'Angleterre, et cela déclenche bien évidemment la fureur de Guillaume et de Harald. Guillaume tente bien un petit coup de pression diplomatique sur Harold, mais ça ne marche pas. S'il veut récupérer le royaume d'Angleterre, il va alors devoir convaincre tous les barons de Normandie qu'il est l'homme capable de traverser la Manche et de réussir son invasion de l'Angleterre, comme Jules César l'avait fait bien avant lui. Pendant près d'un an, Guillaume va préparer minutieusement son attaque. Mais avant lui, Harald, le roi de Norvège, débarque en Angleterre pour croiser le fer avec Harold. Manque de bol, Harald connaît mal le coin et Harold, le roi d'Angleterre, le prend par surprise durant la bataille de Stamford Bridge le 25 septembre 1066. Il charge les troupes vikings qui sont stationnées et attendent les ordres de marche. L'assaut est brutal et inattendu pour les hommes du Nord qui non seulement sont désorientés mais aussi sous-équipés puisqu'une partie de leur matériel est restée sur leur bateau. Harald, le célèbre chef viking, aura beau s'égosiller de tout son souffle pour mobiliser ses troupes, tout ce qu'il récoltera c'est une flèche en travers de la gorge qui le réduira définitivement au silence. La bataille de Stamford Bridge est donc une belle victoire pour Harold malgré ses nombreuses pertes, et une cruelle défaite pour les vikings norvégiens. Ça commence donc plutôt bien pour Harold qui vient d'éliminer un concurrent, mais c'était sans compter sur l'empressement de Guillaume. C'est en effet 3 jours plus tard que Guillaume, en pleine nuit, réussit à faire traverser la Manche à la totalité de son armée. Près de 8000 hommes et 3000 cavaliers. Enfin, à peu près, hein. On n'a pas de chiffres précis, alors considérez qu'il y a une petite marge d'erreur de 10 à 20% quoi. Une broutille. Bref, quand Harold apprend ça, il doit bien avoir les boules, hein, parce qu'il est obligé d'ordonner une marche forcée vers les côtes du sud à son armée, déjà fatiguée par la bataille de Stamford Bridge. Pendant ce temps-là, Guillaume se construit un petit fort en bois, pépère, et attend sagement. Bon, en vrai, il lance quelques raids sans savoir qu'Harold est en marche, hein, enfin, presque, puisqu'une armée de plusieurs milliers de fantassins, bah, c'est pas vraiment discret, si vous voyez ce que je veux dire. Bientôt, le duc de Normandie aperçoit le traître anglais qui lui a volé sa couronne. L'engagement commence le 14 octobre 1066 vers 9h du matin, à 11 km au nord de la ville d'Hastings. Bien évidemment, il s'agit de la très célèbre bataille d'Hastings. Si les Anglais semblent légèrement moins nombreux que l'armée de Guillaume, elle n'est cependant composée que de fantassins quand en face d'elle se trouvent des fantassins, des archers et des cavaliers venus de Normandie, de France, de Flandre et de Bretagne. Les sources se contredisent pas mal sur le déroulé de la bataille, mais quoi qu'il en soit, elle aurait duré toute la journée. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de l'état d'épuisement dans lequel les types devaient être à la fin. Hein. Quoi qu'il en soit, il semblerait que Guillaume utilisait la technique dite du lâche, ça c'est moi qui l'appelle comme ça. En gros, il charge sur un flanc, fait semblant de fuir, et tandis que les Anglais se lancent à sa poursuite, se désorganisant au passage, paf, il se retourne et brise leur ligne. Notamment avec sa cavalerie qui jusque-là ne pouvait atteindre les Anglais en surplomb sur une colline. Bon, dans tout ça, on sait pas trop si c'est Harold qui s'est planté dans ses ordres, ou ses troupes, également composées de paysans, qui se sont un peu trop enflammées. Mais le résultat, bah, il est là. Après que ses deux frères soient tombés au combat, Harold se prend une flèche dans l'œil avant de se faire achever par un gars qui passait par là. Ouh, aïe. Dans une autre version, c'est une mission commando de 4 cavaliers normands qui se fraye un chemin dans les rangs anglais et qui le taille en pièces. Ah,
Rouaille. La victoire est donc complète pour Guillaume qui remporte le trône d'Angleterre. Enfin, pas tout de suite, hein, puisque bizarrement les Anglais ne voudront pas lâcher le morceau. Du coup, bah, il ira mater quelques révoltes, prendre la ville de Londres, et il se fera couronner le jour de Noël, le 25 décembre 1066. Une fin heureuse, enfin pour Guillaume, hein, pas pour les autres. Bref, cette bataille elle passera à la postérité, notamment grâce à la célèbre tapisserie de Bayeux, qui est en fait une broderie, hein, que je vous montre depuis tout à l'heure. Une œuvre de propagande qui mesure pas loin de 68 mètres de long. Vous pouvez la voir aujourd'hui au musée de Bayeux si ça vous intéresse. Enfin, jusqu'au début des années 2020 environ, puisqu'il a été annoncé que la tapisserie serait sûrement prêtée pour un temps aux Anglais. Sûrement pour voir ce qu'ils ont loupé, hein. Oui, bon, je sais, c'est pas bien de se moquer des anciennes colonies. Bref, sans se moquer davantage de nos camarades d'outre-Manche, revenons à nos moutons. Guillaume devient donc roi d'Angleterre, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il contrôle tout le territoire. Dans les faits, il règne surtout sur la partie sud et la partie ouest du pays, car dans la partie nord, la population n'est pas très coopérative. Il délègue l'administration à son frère Odon et à Guillaume Fitz-Osberne, qui l'a toujours soutenu dans son œuvre, avant de retourner en Normandie. Dans un premier temps, les consignes sont claires. S'il faut être ferme avec la population et avec les Saxons, principaux ennemis qu'il a matés, il ne faut pas les braquer. Il laisse alors les seigneurs anglais en poste, négocie, fait construire des châteaux normands un peu partout, bref, il veut stabiliser son pouvoir. Mais dès 1069, il va s'apercevoir que cette tactique a ses limites, car de nombreuses révoltes éclatent un peu partout. Des seigneurs du Nord, des Gallois, des Saxons, tous veulent reprendre le pouvoir, et certains Danois tentent même de leur venir en renfort pour réussir leur manœuvre. C'était sans compter sur Guillaume, revenu sur le territoire, qui se transforme en Super Saiyan et qui change de tactique. Exit Guillaume le Gentil, place au conquérant, qui ne fait pas dans la demi-mesure. Il réprime les révoltes dans le sang de façon très brutale, et il n'hésite pas à dévaster des régions entières comme le Yorkshire, ce qui conduit à la mort de certaines populations qui n'ont plus de quoi se nourrir ou se protéger du froid. Tandis qu'auparavant, Guillaume projette de laisser une bonne partie de la noblesse anglaise à sa place sous son tutorat, il remplace désormais tous les postes à haute fonction par des Normands et récupère les terres des Saxons. Si quelques barons normands tenteront un coup de traître en 1075, Guillaume les mate bien vite par l'intermédiaire de son beau-frère, et il décide d'attribuer à ses seigneurs des terres qui ne sont pas forcément côte à côte, mais dispatchées sur tout le territoire, ce qui rend bien plus difficile un soulèvement. Bref, dans les années 70, il n'y a plus beaucoup d'Anglais qui sont propriétaires de leurs terres, la plupart sont pauvres et au service des Normands et de leurs alliés. C'est ce qui fait notamment que c'est à cette époque que le français, ou plus précisément l'ancien Normand, devient la langue de la cour anglaise, de la politique et de la loi. Et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mots français dans la langue anglaise. A partir de cette époque-là, on ne peut pas dire que les choses soient calmes pour Guillaume, hein, puisqu'il va subir de nombreuses pressions sur le continent qui retiendront son attention. La situation en Angleterre, elle sera pas totalement stable non plus. Et globalement, l'histoire de Guillaume est si intéressante qu'on pourrait y consacrer une chaîne entière. C'est pourquoi, afin de vous parler de la suite, je vais rapidement passer sur les années 70-80, et je vous laisse donc les explorer par vous-même, vous verrez, c'est très intéressant, particulièrement le moment où Guillaume commence à se prendre ses premiers gros revers militaires. Ce qui m'intéresse ici, c'est la fin de la vie de Guillaume. S'il meurt en 1087, la situation entre 1083 et 1087 n'est pas très confortable pour lui. Sa femme Mathilde est morte, il galère à nouer des relations avec le roi de France Philippe Ier avec lequel il se fight, il se mange quelques révoltes un peu partout, d'après les écrits il est handicapé par une maladie, et les Danois n'ont toujours pas lâché l'affaire, ce qui laisse craindre à Guillaume une invasion de l'Angleterre par le roi du Danemark, Knut IV. Bref, il n'est plus dans la situation hyper confortable qu'il avait lorsqu'il a envahi l'Angleterre, qu'il avait des relations diplomatiques assez sûres pour se lancer à l'assaut du pays, et des coffres remplis de monnaie pour payer ses hommes. La monnaie, les sous, le flouze, c'est toujours le nerf de la guerre. Et à ce moment-là de notre histoire, Guillaume va devoir trouver un moyen de renflouer ses caisses pour payer ses soldats. Si jusque-là il profitait tout de même de sa conquête anglaise, il ne pouvait pas taxer efficacement les richesses de ce nouveau territoire, car il n'avait tout simplement aucune idée des réelles richesses de l'Angleterre. Alors qu'est-ce qu'il fait notre bon Guillaume? Eh bien, dès 1085, il lance une énorme campagne de recensement des richesses. Deux commissions furent créées, et chaque ville et village du territoire visité afin de répertorier ses biens et les personnes qui les possédaient. Ou presque, hein, puisque certaines grandes villes comme Londres ont échappé à ce recensement, peut-être parce qu'il était compliqué à faire là-bas. Quoi qu'il en soit, le résultat de cette enquête terminée en 1086, c'est ce que l'on appellera plus tard le Domesday Book, qui donnera le Doomsday Book à traduire par le livre de l'Apocalypse. Pourquoi ce nom? Parce qu'en cartographiant littéralement les richesses du pays, Guillaume laissait dans l'encre des pages la preuve irréfutable et incontestable de son autorité sur le territoire anglais. Une sorte de jugement inévitable et irrévocable, comme le jugement dernier.
Chaque champ était noté, ainsi que la nature de ce champ, ce qu'on y cultivait, à qui il appartenait aussi bien aujourd'hui qu'avant l'invasion normande de 66, et enfin la valeur du terrain était évaluée. Une liste de questions était adressée aux propriétaires des terrains, puis les résultats de l'enquête compilée devaient être validés sur l'honneur par une commission locale composée à moitié d'anglais et à moitié de normands pour éviter toute fraude. On releva également le nombre d'habitants par village, mais aussi celui d'animaux, enfin bref, tout était passé au radar, objectif, évaluer que les richesses du royaume ne s'étaient pas amoindries depuis la conquête, et taxer tout ce qu'il était possible de taxer. Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que ce document est absolument exceptionnel, et qu'il est l'un des grands héritages de Guillaume le Conquérant. Au-delà d'un livre de comptes qui permet de taxer, il nous renseigne sur l'image d'un pays à un instant T, en l'occurrence l'Angleterre normande du XIe siècle. Et ça, c'est tout nouveau. Si on y est habitué aujourd'hui, il est juste incroyable de voir tout le boulot qui a été abattu à l'époque pour constituer cette enquête. Au-delà de récolter des fonds, ça permet également à Guillaume de mieux gérer ses barons, que ces derniers puissent se rendre compte de l'évolution de leurs terres, de pouvoir identifier les hommes de pouvoir pour les futures campagnes militaires. Grâce au Doomsday Book, on a pu se rendre compte de l'évolution de la démographie en Angleterre également. Au moment de l'enquête en 1086, on compte alors près de 1,5 million de personnes sur le territoire, sans compter les enfants et jeunes adolescents. Un chiffre qui va doubler près de 500 ans plus tard. L'héritage de Guillaume, à travers ses conquêtes comme à travers le Doomsday Book, est indéniable, et pourtant, son œuvre sera rapidement ternie par ses fils, qui se disputeront le royaume, faisant basculer la Normandie dans la guerre. Son aura traversera le temps, si bien qu'aujourd'hui encore, Guillaume bénéficie d'une image assez positive auprès du grand public. Celle d'un homme déterminé, qui ne reculait devant rien, n'hésitant pas à guerroyer pour obtenir ce qu'il veut. Dans les faits, la fin de sa vie est légèrement terne, et le roi d'Angleterre avait tant profité de ses succès, que les textes qui nous sont parvenus font état d'un homme obèse ayant du mal à se déplacer. D'ailleurs, le roi de France Philippe Ier n'hésite pas à se moquer ouvertement de lui, lui demandant quand sa grossesse serait terminée. Guillaume, durant son expédition dans le Vexin contre le roi de France en 1087, glissa de son cheval pour mourir quelques jours plus tard après une longue agonie. La légende raconte qu'au moment de descendre son corps dans la fosse, le cercueil prévu pour l'occasion était trop petit, et qu'on dut tasser le pauvre Guillaume pour l'y faire rentrer. C'est pour ça que, perso, je me ferai incinérer à ciel ouvert sur un bûcher avec la musique du Seigneur des Anneaux. Au moins, pas de risque de rester coincé, hein. Voilà, c'est terminé, lâchez un pouce si vous avez aimé, c'est super important pour le référencement, et d'ailleurs c'est pareil pour les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui me disent ne plus voir mes vidéos, certains s'étonnent même parfois de ne pas me voir poster de vidéos pendant plusieurs mois. Ben c'est pas de mon fait, hein. C'est tout simplement YouTube qui ne notifie plus mes abonnés, c'est un vieux problème, il n'y a pas vraiment d'autre solution que d'activer la petite cloche à côté du bouton abonnement pour ne pas louper les vidéos, ou aller check régulièrement ma chaîne de vous-même. Ben, si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire, hein. Vous verrez, ben, on est bien, et puis en plus, c'est gratos. Comme d'habitude, retrouvez toutes les sources que j'ai utilisées pour cet épisode dans la description, il y a des choses super intéressantes, alors n'hésitez pas à foncer, à être curieux. Voilà, merci à tous pour votre soutien, vraiment. On se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut.